Ça y est. Je vais y passer. Je me transforme. Putain. Ils ne sont pas obligés de savoir. Mais lui, il sait. Il suffit de s'en débarrasser. Mais comment ? June, à qui tu parles ? À personne. Tue-le. Pourquoi on s'arrête ? On n'a plus d'essence. Qu'est-ce qu'on fait ? On va devoir se serrer un peu. Non, non, Léo, c'est pas possible. On est déjà sur la réserve depuis quelques kilomètres déjà. On fait deux équipes, une pour l'essence et une pour la bouffe. Mais attends, ça, je pense vraiment pas que ce serait une bonne idée. Imagine, on se sépare et on se retrouve là. Bon, écoute, on est en ville. S'il débarque, c'est foutu, alors on reste là. Tu proposes quoi, alors ? Je sais pas. Hé, hey, Nils, où tu vas ? Je cherchais de l'essence. Pas question, tu restes ici ! Nils ! Laisse, j'y vais. On a qu'à nettoyer une maison. Ouais, on a qu'à faire ça. À quel âge on commence à picoler dans ce monde ? La maison est grande, il y a trois chambres. La mienne, c'est celle qui est au fond du couloir, là-bas. Il y a des vêtements aussi, si ça vous intéresse. Il y en a qui devraient vous aller. J'ai encore de l'eau courante et même de l'eau chaude. Un petit peu. Pour la nourriture, vu l'homme que vous êtes, il y en a pour 2-3 jours maximum. Et cette porte ? Ma réserve personnelle. Tout va bien ? C'est bon, je les ai retrouvés. On a failli y passer. Le quartier est infesté, il y en a au moins une bonne centaine. C'est sûrement le bruit des moteurs qui a dû les attirer. C'est fort possible. Ça fait plusieurs mois que personne n'est passé par ici. C'est bon, demain ils seront tous partis. À mon avis, ils sont là pour plusieurs jours, voire pour plusieurs semaines.
fait longtemps que vous êtes sur la route? Bah, je sais pas, John, Neil, ça faisait longtemps que vous marchiez, non, quand vous m'avez trouvé. Ouais. Ensuite, on a rencontré Salomé. On était encerclés par des mutants et il nous a sauvés. Puis après, on a retrouvé le petit couple, là, dans une réserve de restaurant, alors qu'on cherchait de quoi manger. Et puis nous voilà. Et vous, vous venez d'où? Moi, je viens de Paris. Ici, c'est ma maison de vacances. J'étais chercheur là-bas. Et donc, vous avez continué vos recherches? Vous avez amené du matériel ici? Quand l'épidémie s'est déclarée, j'ai ramené ce que j'ai pu. Et j'ai fait un petit labo derrière, là, où j'ai essayé d'avancer. Et vous avez trouvé quelque chose? Ça fait plusieurs mois que je travaille sur un antivirus. J'avais commencé mes recherches à Paris, et je les continue là avec les moyens du bord. Vous pensez qu'il y a vraiment de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir. J'ai une piste sérieuse, j'ai des résultats qui commencent à être concluants. J'ai réussi à soigner les cellules. J'y crois vraiment, je crois vraiment que je vais y arriver. Ça, c'est une super nouvelle, tiens. Bon, moi, je vais me coucher. Ouais, allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Mais ces échantillons, vous les tirez où? J'ai les cobayes. Et ils sont où, ces cobayes? Bonne nuit, June. Reste. Pardon? S'il te plaît, reste. Je peux? Vas-y, entre. Salut. Ils sont toujours là? Je commence sérieusement à en avoir marre de rester enfermé. Si au moins on pouvait aller se faire quelques zombies. C'est pas des zombies, Salomé, c'est des mutants. Tu le saurais si t'avais écouté Étienne hier. Ouais, bah c'est pas très différent, faut avouer. Vous savez où est Nils? C'est quoi ton problème, Nils? Je déconne pas, y'en a marre de tes conneries. Tu pars comme ça, tout seul? Chercher de l'essence, ouais, je voulais aider, moi. Te fous pas de moi. C'était pour rester tout seul encore, pour t'isoler. Tu sais, c'est facile pour personne. Alors si on doit venir te chercher à chaque fois... C'est quoi le plan? Tu vas me faire chier longtemps avec ça? Mais c'est tout le groupe que t'as mis en danger. Et c'était pas la première fois. Grandis un peu. Merde, June, ça suffit, putain. Alors, j'avais bien dit. Oui, mais la porte est bien scellée. Et vous avez pu étudier l'évolution de la mutation? Ça commence par quelques troubles comportementaux, des maux de tête, des choses comme ça. Puis viennent les vomissements et les croûtes qui apparaissent. Puis la faim vient.
que vous n'avez pas trouvé de remède? À part les isoler, j'ai rien trouvé de mieux. On fera mieux de compter avec les autres. On n'a plus rien à manger, faut qu'on sorte. Sortir? Vous êtes pas sérieux, il y en a presque autant qu'hier. Même deux fois plus. Tu vois une autre solution? On en a déjà parlé. Gwen, Salomé, on y va. Nils, tu restes ici. Tu risques encore de tout faire foirer. On sera rentré avant la nuit. Ça au labo. Tu veux venir? Allez. Tu peux aller te coucher, je les attends. J'ai menti. Comment ça? Comment ça? Le sérum, le vaccin que j'ai trouvé, tout ça c'est des bois. C'est n'importe quoi. Je vous ai raconté n'importe quoi. J'ai pas assez de matériel. Mais même sans ça. Je suis trop minable. Je suis pas assez fort. C'est ce que vous espériez. Hein. Moi, trouver le... L'antivirus, super. N'importe quoi. Tu peux le dire aux autres, tu veux. J'en ai rien à carrer. Il est parti! Qui? Nils! Quand? Je sais pas, je dormais. Il a dû partir les chercher. Vous inquiétez pas, ils vont s'en sortir. Mais arrête! Mais c'est foutu! On va jamais les retrouver! Merde, toi, merde! Toi. Ça va? Non. Gwen! Et Gwen! Mais elle est où? Elle est où, putain? Et Salomé? Gwen! Ça commence par un peu trop de comportementaux, des maux de tête.
chose, soit une chose comme ça. Bien, John ? T'as pas l'air en forme. Ça va. Je vais voir comment aller les rechercher. L'antivirus ? Non, non, toujours rien. Mais je perds pas espoir. Léo, j'ai besoin de toi. J'arrive pas à croire qu'elle soit morte. Faut que je te dise, quand on était dehors, June est... Nils ? Est-il a besoin de toi là-bas ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous prend ? Faut l'isoler, il est trop dangereux. Dangereux, Nils ? Tu dis n'importe quoi ! Il nous a toutes mises en danger dehors ! C'est par sa faute si Salomé et Gwen sont mortes ! Non ! Tu entends ? Sa faute ! Non ! Non ! Tu dis n'importe quoi ! Laisse-le ! Je veux pas savoir ! T'étais pas dehors, il les a tués, elle m'a tout raconté. Attends, Juliette, tu lui crois pas? Juliette, merde! Fais-moi confiance! Fais-moi confiance! Merde! June, qu'est-ce que tu fais là ? L'antivirus ! Où est-il ? Il n'y a pas d'antivirus, June. Où est-il ? T'as le temps, j'en ai besoin ! T'es contaminé ? June ! J'ai vu Étienne, il veut rester seul ce soir. Bonne nuit, Léo. Bonne nuit. June, c'est toi ? Pourquoi tu fais ça ? Je suis ton frère, merde !
Bonne nuit. Merde. Non putain, mais... Putain... Julien...